J'ai quitté mon atelier à Rennes pour acheter un voilier et le préparer pour des navigations hauturières. Je suis parti de Paimpol en septembre 2021 et j'ai navigué seul pendant plusieurs semaines en direction de la Méditerranée. Depuis plus d'un an, je travaille à un projet artistique et maritime intitulé Ibiza Solo. L'idée d'un voyage en bateau aux îles Baléares m'est venue pendant le confinement. J'étais persuadé que les discothèques et boîtes de nuit allaient mettre la clé sous la porte suite à la pandémie. Que ces bâtiments atypiques allaient devenir une friche d'un nouveau genre. J'ai imaginé que de plasticiens s'y implanteraient et qu'une nouvelle scène artistique pourrait y voir le jour. Mon idée, c'était d'aller à Ibiza à la voile, en éclaireur, d'y faire un repérage et de raconter toute cette quête en peinture. Voilà, je viens de me mettre au mouillage avant la nuit, donc j'en profite pour faire un petit tour du bateau de présentation. Je me suis garé où il n'y a personne. Là, il y a un panneau solaire. L'intérieur qui est un petit peu en bordel après une journée de nav. Bon, j'ai pas beaucoup d'électronique à bord, mais presque tout est ici. Et la cabine avant, avec le surf que je vais décaler pour dormir. Voilà. Et la lecture du moment. C'est pas mal. Au nord du Portugal, j'ai repéré une petite voie d'eau lorsque le moteur était en marche. J'ai continué mon voyage en utilisant le moteur au minimum, juste pour rentrer et sortir des ports. Malheureusement, quelques jours plus tard, en quittant Porto, il est complètement tombé en rade. J'étais à une semaine de navigation de Cadix, où mes frères allaient pouvoir m'aider dans les réparations. Les matinées sans moteur et sans vent, j'étais plus en train de dériver que d'avancer. Bon, des fois, quand il y a pétole comme ça, ça m'arrive d'avancer juste mètre par mètre. Je veux pas allumer le moteur, il est abîmé. Allez, viens, petite bande de vent. Cette escale technique en Andalousie est devenue une escale picturale. Les nuits devenaient trop longues et l'envie de peindre était grande. J'ai trouvé un local au Puerto de Santa Maria et tout l'hiver, j'ai commencé à peindre le début de ce voyage. Dans certaines peintures de cette série, j'utilise plusieurs images pour composer une seule toile. Je peins à l'huile par transparence et surimpression. Une image trouble, voire étourdie, émerge parfois sur la toile comme le fondu enchaîné d'une vidéo. Ma façon de fabriquer les images est assez analogue à la façon de procéder dans le montage. Je pense en termes de calque, de filtre, de coupe, ainsi qu'à l'image qui va suivre. Lorsque j'ai commencé cet ensemble, ma crainte était de peindre des petits bateaux. La seule contrainte que je me suis posée était d'adopter un point de vue embarqué. Pas de vue depuis l'extérieur, depuis un drone ou autre. Je voulais un regard à la première personne. Je cherche à ce que les peintures se complètent, se répondent, mais surtout qu'elles soient suffisamment différentes pour qu'il y ait du rythme quand on passe de l'une à l'autre.
J'utilise cette série pour explorer différents registres avec des images documentaires et d'autres plutôt oniriques. Je fais en sorte que chaque peinture ait sa propre atmosphère et qu'ensemble, elles dessinent une narration qui ne soit pas linéaire. J'ai dû vendre mon bateau parce que j'arrivais dans le rouge financièrement. Au printemps, j'ai poursuivi mon voyage sur le voilier d'un ami qui allait voir ses filles qui vivent à Ibiza. Nous sommes passés de l'Atlantique à la Méditerranée par le détroit de Gibraltar. Arrivé sur l'île, je me suis rendu compte que mon diagnostic de départ quant à la possibilité d'une future scène artistique à Ibiza était à côté de la plaque. Les discothèques n'ont pas fait faillite, et le monde de la nuit avait repris de plus belle. De retour en Bretagne, j'ai peint la suite de ce journal de bord. Je réfléchis en ce moment à la façon dont je vais raconter la fin de cette aventure en peinture. En même temps, je ne suis pas sûr de vouloir verrouiller la narration. J'ai plutôt envie que la peinture m'échappe, faire en sorte que cette histoire reste une quête. Mais je sais pas encore. En fait, celles qui sont là, c'était celles qui ont été faites plutôt à l'aérographe, à l'acrylique et à l'aérographe. Et là, c'est à l'huile. Parce qu'en fait, moi, je sais pas peindre sur une toile blanche. Il faut toujours une image
à partir de laquelle je vais me lancer. Et là, pour ce petit format, je peins de façon vraiment aléatoire. Enfin, c'est vraiment des effaçages de brosse. Et il y a un moment, effectivement, il y a une composition qui se dessine, enfin, qui apparaît, en tout cas dans mon regard. Et ça m'évoque, ça peut m'évoquer une multitude de choses. Et je vais essayer de pousser un peu dans cette direction qui est esquissée. Et en même temps, j'essaie toujours de trouver de pas trop appuyer le dessin. Essayer de trouver la ligne de crête entre le dessin et quelque chose de complètement informel. Pendant la navigation, j'ai éprouvé le paysage et traversé différents états, comme la confusion, la solitude, la fatigue profonde, les hallucinations. Ce sont toutes ces nouvelles images, ces visions, qui m'ont inspiré pour démarrer ces peintures. Je n'ai dessiné que pendant mes escales. D'ailleurs, je ne dessine que très occasionnellement. Dans mon carnet, il n'y a que des esquisses utiles que je vais peindre plus tard. Je prépare aussi des peintures en dessinant sur une tablette. J'utilise plusieurs prises de vue que je découpe et trafique parce que le capteur photo de mon téléphone est déceptif surtout la nuit. Travailler d'après ces images m'amène à utiliser une nouvelle palette de couleurs. J'essaye aussi de revivre le voyage depuis l'atelier, d'aborder la peinture en me remémorant la qualité des rêves que je faisais quand je dormais à peine sur le bateau, souvent par tranche de 15 minutes. Dans ces moments, la perception de l'espace et des sons était drôlement modifiée. Par la peinture, je cherche à retrouver la consistance de ces moments.